Beh, lo sapesse, asciama chi misse, se top do suo niveau, se ande meilleur arrière droit di mondo parmi, je sais pas, deux, trois joueurs, peut-être même meilleur, quand il est physiquement top, sans blessure, ben, il est capable de faire un grand match. Après, surtout une application sur le côté offensif, parce qu'il y a un joueur qui peut apporter beaucoup, beaucoup sur le plan offensif. Après, dans son évolution comme contre-attaquant côté droit, je parlais un petit peu de son évolution. Souvent, on a catalogué qu'il peut jouer que extérieur. Maintenant, j'ai demandé aussi qu'il entre un petit peu à l'intérieur. La dernière fois, il a fait ça, il a préparé une super occasion pour Youb. Bah, c'est un garçon jeune qui adore son équipe, ça adore son pays. Il est très appliqué de cette démarche. Il veut faire quelque chose à l'équipe de Maroc. Bah, j'attends de lui qu'il devenir avec quelques garçons comme ça, un leader qui porte un petit peu cette ambition pour l'équipe de Maroc à très, très haut niveau. On a tous les Marocains attendent de lui ça. Ils sont très exigeants, moi aussi, et j'espère qu'il va encore apporter beaucoup de choses de bien comme deux matchs surtout. On verra demain, je suis très optimiste. S'il n'est pas prêt, il y a des joueurs comme Petit Chibi qui est prêt. À la couche qui aussi sont son remplaçant, malheureusement lui il a aussi un petit bobo. Après il y a d'autres solutions avec d'autres organisations peut-être, après il y a Maé et tout ça. On a le garçon pour le remplacer, mais je suis optimiste, vous allez voir demain.